À ce stade, donc, je vais appeler à la barre nos interlocuteurs pour parler de l'ICANN Los Angeles. C'est un petit retour sur l'ICANN Los Angeles que nous allons faire en anglais. Je vais donc passer en anglais et nos invités qui étaient présents lors de cette réunion, c'est-à-dire Benjamin Pfister et Tom McKenzie, vont nous rejoindre pour parler de cette 51e conférence de l'ICANN. Tom. Donc on passe à l'anglais. Bienvenue à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes sur le point de commencer la FCC3 avec un petit coup d'œil en arrière sur ce qui s'est passé au cours de la dernière réunion de l'ICANN qui s'est tenue à Los Angeles à la fin de l'année dernière. Nous avons ici Tom McKenzie qui va nous parler de ce qui s'est passé à l'occasion de cette conférence. Peut-être, Tom, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'ICANN, de quoi ça consiste. Donc bonsoir Stéphane, et en tout cas merci de cette question. J'étais certain que tu allais me la poser en tout cas. La réponse à cette question est que c'est assez simple et en même temps un peu compliqué. L'ICANN, c'est la corporation d'Internet pour les noms et chiffres affectés, Assigned Names and Numbers. C'est une organisation qui est basée en Californie, qui est non moins responsable que la gestion sécurisée et stable du DNS, le système de nommage de domaine. C'est une organisation très importante, mais qui n'est pas forcément connue de tous. C'est l'organisation qui assure que lorsque vous tapez l'adresse https://opt3.org, que effectivement vous êtes sûr d'être bien connecté au site web de l'OP3FT. C'est donc un organisme qui tient un rôle tout à fait critique, déterminant, et en me préparant à cette soirée, j'ai trouvé une définition intéressante de cet organisme, cette organisation. C'est l'organisation qui aide à préserver la stabilité opérationnelle de l'Internet, promouvoir la concurrence et une représentation très large de la communauté globale de l'Internet et à élaborer des politiques appropriées à cette mission à partir d'un processus lié à un mouvement qui bottom-up, lié au processus. Donc vous voyez qu'une organisation comme l'OP3FT qui développe une technologie basée sur l'Internet a de bonnes raisons de participer à cette organisation. Alors, je suis bien certain que vous avez d'autres questions sur le bout des lèvres, mais avant que vous me les posiez, j'aimerais dire qu'il est important de répéter que l'ICANN, en tant qu'organisation, est-ce qu'on pourrait dire une organisation partie prenante multiple? Autrement dit, toutes les organisations du monde entier, pas simplement aux États-Unis, mais sur tous les continents du globe, qui constituent ce que l'on reconnaît comme étant l'écosystème de l'Internet, se rassemblent sous l'ombrelle de l'ICANN pour s'accorder sur des politiques, des chartes sur la gestion stabilisée du DNS, qui se constitue de deux parties, enfin en particulier deux parties, il y en a plus en fait, mais deux parties évidentes qui sont les noms de domaines lisibles par les humains, donc les URL, et la partie liée aux machines, c'est-à-dire les numéros IP qui s'adressent aux machines. C'est deux fonctions critiques qui, au bout du compte, sont la responsabilité de l'ICANN et de la communauté globale des parties prenantes qui se retrouvent sous cette ombrelle. Alors,
C'est un peu le tableau général dans l'ensemble. La tendance, quand on essaie de décrire une organisation comme l'ICANN, c'est que rapidement on se perd dans la foultitude de détails, de complexités qui la constituent. Parce que, pour vous donner une idée, il y a près de 2000 personnes qui se réunissent du monde entier. C'est une organisation quand même assez conséquente. Mais alors, si on voulait éviter de se perdre dans tous ces détails et termes, peut-être pourrions-nous passer au plus, un peu plus spécifique qui concerne l'OP3FT lorsqu'on se rend à ces conférences, à ces réunions de l'ICANN, par exemple. Vous-même, vous avez fait des présentations dans des groupes de travail lors de cette conférence de Los Angeles. Et j'aimerais aussi entendre de Ben Fester, qui se tient derrière vous, qui est responsable des spécifications techniques de l'OP3FT. J'aimerais l'écouter sur les rencontres intéressantes que vous avez pu faire sur un plan peut-être plus technique dans le cadre de l'ICAMETOM. Tout d'abord, dites-nous en quelques mots pourquoi y va-t-on finalement? Alors, de nouveau, il y a plusieurs raisons qui font que l'OP3FT se trouve avoir une place dans ces réunions de l'ICANN, et de bonnes raisons donc d'y assister trois fois par an. La première raison, et sans doute la raison la plus évidente, c'est que depuis avril de l'année dernière, l'OP3FT est le détenteur d'un nouveau GTLD, le point Froggen, ce qui est un aspect de sécurité important de la technologie Froggen. Alors, c'est une nouvelle GTLD qui est utilisée de manière différente de la totalité des autres GTLD, mais c'est un GTLD, et en tant que tel, l'OP3FT a une responsabilité, dirais-je, de prendre part aux réunions de l'ICANN, de prendre part à ces réunions et aux discussions qui se déroulent sur les aspects du groupe des bureaux d'enregistrement. Donc je pense que Stéphane, vous connaissez très bien cela et vous assurez qu'on prenne part à ce groupe de travail, en tout cas. Alors, une des raisons pour lesquelles on se prend part à ces réunions de l'ICANN, c'est donc pour, en tant que détenteur d'un nouveau GTLD, on tient à prendre part. L'autre raison, c'est que, en tant que développeur d'une nouvelle technologie basée sur Internet pour la publication de pages utilisant un système d'adressage distinct et nouveau, à ce titre, nous sommes, si vous voulez, un nouvel acteur émergent dans l'écosystème de l'Internet. Et l'un des objectifs de l'ICANN, c'est de rassembler précisément tous les acteurs de l'écosystème de l'Internet et de s'assurer que nous sommes bien engagés dans une forme de dialogue, d'échange mutuel, et qu'on s'accorde sur un ensemble de principes qui sont relatifs à la stabilité, à la sécurité de l'Internet. Donc, une partie de notre vocation, c'est en partie de s'engager dans un dialogue avec l'INSOX, toutes les organisations qui constituent le système de l'ICANN, au sens le plus large. Et c'est là que je vais repasser la parole à Benjamin dans quelques instants, car une autre raison très importante qui justifie notre présence là-bas, et en fait, il y en a encore une autre derrière, donc il y en a deux encore. La première de ces deux dernières raisons, c'est que l'OP3FT est impliqué dans le développement d'un certain nombre de spécifications techniques, les systèmes d'adressage, les systèmes de langue de markup, pour toute une série de spécifications techniques. Donc. Et à ce titre, nous avons trouvé très intéressant de pouvoir échanger, dialoguer avec les communautés qui se rencontrent régulièrement dans le cadre de cette réunion. Alors, je pense que Ben pourra vous en parler plus en détail, en fait, sur l'un des groupes de très haut niveau, d'ailleurs, en fait, qui travaille sur les noms de domaines internationaux. Et là, pour être plus précis, ce sont
les extensions .fr et .uk, etc., donc au niveau des pays, mais qui sont écrits dans des scripts non latins, comme l'arabe, cyrillique, le japonais, le chinois et d'autres langues. Il y a des groupes de travail qui travaillent sur ces questions et nous avons trouvé que c'était l'occasion d'un dialogue très productif avec eux. Et c'est de cela que Ben vous parlera dans un instant. Alors, pendant que vous passez le micro à Benjamin, votre titre demande peut-être quelques explications pour ceux d'entre nous qui sont un peu loin de ces aspects de spécification technique. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est vraiment, France est très international, alors que ce n'est pas vraiment le cas pour les systèmes d'adressage DNS. Donc il y a là beaucoup de travaux en cours à l'ICANN sur ce qu'on appelle les noms de domaines internationaux de l'IDN, donc, qui permettent aux gens d'utiliser leurs écritures natives lorsqu'ils tapent leurs adresses. Ces problèmes ont été donc évacués avec la technologie Frogrens, car dès le départ, cette technologie était conçue pour prendre en compte toutes sortes de langues et d'écritures différentes utilisées dans le monde entier. Donc, j'aimerais vous demander, Ben, Benjamin, de nous dire quelques mots sur ce que vous faites et de nous expliquer comment vous avez dialogué avec les groupes de travail de l'ICANN. Bon, eh bien, merci Stéphane. Mon titre officiel, c'est le responsable des spécifications techniques à l'OB3. Nous avons une équipe qui travaille sur la R&D et sur la rédaction des spécifications d'un processus itératif. On revient pas mal, on va en avance, on revient en arrière, et on fait beaucoup de recherches sur les normes internationales. En particulier, les deux premières spécifications qu'on a publiées concernent le modèle d'adressage Frogrens international et les règles d'adressage. Si vous voulez, on va passer au slide suivant. Pour mieux comprendre, en tant que faisant partie de l'équipe de développement, nous avons fait des recherches sur les normes existantes. Des travaux continuent depuis des décennies sur le code unique, les normes Unicode, par exemple pour les jeux de caractères universels, pour couvrir tous les caractères idéogrammes utilisés par les langues du monde. C'était le point de départ et qui a exigé des rédactions très complexes au niveau des spécifications. Et c'est ce qu'on a utilisé comme base pour nos propres spécifications au départ. C'était élaboré par le consortium Unicode. Donc, et c'est un travail, un chantier en cours depuis quelques, disons, 15 ans maintenant. Donc, on en est à la 7e édition de cette spécification. Il y a d'autres groupes impliqués dans les spécifications sur les modèles d'adressage et les noms de domaines internationaux. Et Stéphane, tout à l'heure, vous disiez qu'on avait de la chance, d'une certaine manière, d'arriver un peu plus tard dans l'histoire de cet organisme pour avec des spécifications qu'on a écrites en s'appuyant sur les noms internationalisés, noms de domaines internationalisés. Donc, au lieu d'avoir que des caractères ASCII, maintenant, on peut avoir des caractères internationalisés. Les gens peuvent créer des noms de domaine en caractères japonais, par exemple. Mais dans le système actuel d'IDN, pour les kanji, c'est retranscrit en une chaîne alphanumérique ASCII. Donc, en tout cas, on travaille, nous, avec des codes Unicode et on a pu avoir un modèle vraiment international pour l'adressage. De nombreuses de ces normes ont été développées au fil des années par différents groupes de travail. Et l'ICANN en particulier, au cours des dernières années, avec l'émergence des noms de domaine de haut niveau, CCLD, s'ouvre de plus en plus aux caractères internationalisés. Et il travaille actuellement sur un corpus de règles, les LGR, qui définissent les points de code peuvent être utilisés dans la partie de haut niveau du domaine pour tous les sites Internet. Ces règles sont
susceptibles à des menaces de sécurité. Donc il faut faire attention à ce qu'on utilise et ce qu'on n'utilise pas dans ces noms de racines de domaines. Alors, on travaille aussi à voir que les caractères qui sont utilisés dans les adresses France et ceux qui ne doivent pas l'être. Deuxième problème, c'est lié à la comparaison des adresses entre elles. Un verre d'eau pour tenir la route. À l'heure actuelle, l'ICANN a mis en place ce qu'on appelle des panels de génération des experts linguistiques. S'y retrouvent pour chacune des écritures et langues, l'hébreu, le cyrillique, l'arabe, le chinois, le japonais. Ils définissent les points de code qui peuvent être utilisés dans des adresses de haut niveau, pour cette écriture en particulier. Ils vont travailler aussi sur les variantes, c'est-à-dire les différentes manières d'écrire le même caractère. Par exemple, l'accent I, l'accent aigu, peuvent être écrits de manière différente. Sur un ordinateur, il peut être présenté avec un seul point de code, avec l'accent. Vous pouvez avoir deux lettres, la lettre E et un point de code avec l'accent qui lui fait suite. Donc il faut faire attention lorsque vous définissez des adresses, les deux façons de créer l'adresse, laquelle est valable, laquelle ne l'est pas. Tout ce type de questions doivent être prises en compte et faire l'objet de travaux par les panels de génération. Donc l'ICANN les met en place. Il y a à l'heure actuelle une douzaine de ces panels et chacun de ces panels de génération pour une écriture en particulier va définir les points de code qui peuvent être utilisés dans cette écriture en particulier, ou pour cette écriture en particulier. Nous nous intéressons beaucoup aux travaux qu'ils ont menés. Néanmoins, il faut prendre la direction des opérations, car nous avons publié nos spécifications pour la technologie Frogrance, et nous avons été obligés de publier en se faisant de faire des choix et d'innover avec des solutions qui sont peut-être similaires à ce qui a été développé par les panels de génération, mais parfois peut-être on les anticipe. Donc on sait aussi que à l'ICANN, ils s'intéressent aussi beaucoup aux travaux qu'on a faits. Il y a une autre réunion qui va avoir lieu à Singapour d'ici quelques semaines. On a été invité à aller y faire une présentation pour parler de notre technologie, la manière dont on a choisi de traiter certains de ces problèmes sur les noms de domaines internationalisés. Nous, c'est un échange tout à fait intéressant, tant pour nous à l'OP3FT que pour les panels de génération, les panels d'intégration. C'est un panel qui prend toutes les règles des 12 groupes de travail sur les différentes langues et les intègre au sein d'un jeu de règles qui concerne tous les noms de domaines. Merci, Benjamin. C'était pour moi très intéressant de voir que dans certains cas, vous disiez tout à l'heure, on était en fait en avance sur les travaux menés dans le cadre de l'ICANN et de ces panels pour les technologies d'adressage. Vous serait-il possible de nous en parler un peu plus? Quelle a été la réaction initiale à la technologie Frogrance lorsque vous avez commencer à expliquer ce que nous faisions et comment on avait fait certains choix, tirant parti, comme on vous le disait tout à l'heure, d'être le dernier arrivé. On pouvait s'appuyer sur les leçons de nos prédécesseurs et tirer totalement parti de ce qui avait déjà été fait. Mais je serais curieux d'en savoir plus sur la réaction. Comment ont-ils perçu le fait qu'on ait pris cette avance et comment, si vous voulez, on s'intègre à ces travaux pour les aider à résoudre certains de leurs problèmes. Nous sommes dans une position assez unique. Nous avons le registre central Frogrance, le FCR, qui recueille toutes les adresses des noms de réseaux et de sites Frogrance dans le monde entier, dans toutes les langues, dans toutes les écritures. Et
Donc, les CCLD, si vous voulez, le CC, c'est la partie centrale de cette description, c'est le code de pays, c'est spécifique à un pays. Par exemple, en français, vous avez le .fr. En Chine, vous avez le .cn, par exemple, qui définit le panel de génération pour le chinois, définit les points de code qui peuvent être utilisés dans une adresse qui est dans les domaines de .cn. Néanmoins, les domaines de points de niveau supérieur, vous avez lorsque vous avez le point .cn, vous avez le point .province, le point .paris, par exemple. Il y a combien d'autres domaines? Il y a plusieurs centaines qui ont été définis. Au total, je crois 1130 demandes au départ de noms de domaine. C'était la liste de juin 2013 de nouveaux noms de domaine qu'on appelle les nouveaux GTLD. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 400 délégations qui ont. Ça veut dire que ce sont des noms qui ont été activés sur l'Internet, qui ont été homologués. Donc, lorsque vous mentionnez le point Paris, par exemple, vous pouvez déjà acheter les adresses point Paris. Par exemple, moi j'ai une Stéphane.Paris. Alors, ces domaines de niveau supérieur, il faut faire attention lorsqu'on affecte les adresses pour s'assurer qu'il n'y a pas des problèmes de confusion possible entre les différents noms. À l'occasion de la dernière conférence, on a parlé de ces caractères qui se ressemblent en latin, par exemple, la lettre L, minuscule, et le chiffre 1. Et la lettre I se ressemble pas mal. C'est difficile de les distinguer dans certaines polices de caractère. Lorsqu'on choisit un nom de domaine de haut niveau, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas deux domaines qui se ressemblent, car quelqu'un qui ne serait pas forcément honnête pourrait détourner les clients d'un site vers un autre. Donc, il faut vraiment, on fait très attention à tout cela dans les règles de composition des adresses programmes. Ces spécifications vont dans le détail des confusions possibles, comment résoudre les risques dans une écriture particulière et entre les différentes écritures. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, revenez demain soir. Nous vous ferons une démonstration détaillée sur la résolution d'adresses et comment on traite les questions de confusion éventuelle. Bravo, super travail. Je suis sûr que beaucoup nous rejoindront demain pour en avoir plus. Et ensuite, peut-être, on pourra prendre les questions dans la salle. Il n'y a jamais eu un projet d'une telle ampleur. Quand vous allez chez ICANN, vous avez parlé de tous les groupes. Ce sont des personnes, des entités, des entreprises qui viennent de partout. Ils travaillent tous sur ce projet. Personne n'a jamais essayé de le faire comme OP3FT le fait actuellement. Quelle est la réaction, dirais-je? Quelle réaction? Quand vous expliquez l'ampleur de OP3FT, eh bien, les gens sont étonnés et impressionnés par l'ambition de ce projet. On essaie de faire quelque chose d'innovant. Ils sont intéressés, intrigués, sceptiques, ils ne sont pas sûrs. Ils ont des questions techniques qu'ils posent rapidement et auxquelles on essaie de répondre. Mais cela suscite beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt pour avoir des réponses à la question. Merci, Ben. Et maintenant, Tom, pour dire quelques mots avant de prendre les questions. Mais j'aimerais simplement ajouter le fait que la complexité ou l'ampleur du projet de Frogans, comme vous venez de le décrire, est telle que nous avons ressenti le besoin, quand on va chez ICANN, d'expliquer le projet à toutes les communautés. Vous avez donné une présentation très large du projet à la communauté de GNSO. Il s'agit d'une branche très importante de SEM-ICANN parce qu'il s'occupe de tous les domaines génériques de premier niveau. Alexis, le cofondateur du projet, avait déjà donné une présentation à une autre branche très importante du système ICANN.
c'est-à-dire le GAC, le comité de gouvernance, pour veiller à ce que, du point de vue politique, les gens comprennent notre projet. Et ensuite, on a donné des présentations au comité technique d'adressage. Et la semaine dernière, à Los Angeles, lors d'une réunion, j'ai donné une présentation à ce qu'on appelle At Large, une des trois organisations qui offre du soutien au syndicat. Le comité du conseil de At Large. Ah, je vois Sébastien Bachelet qui est en train de soulever la main. Je me demande qu'est-ce qu'il veut me dire. Eh bien, la communauté At Large représente toute une gamme d'utilisateurs de l'Internet. J'espère que tout cela, c'est un début de réponse à votre question. Merci, Tom. Pour résumer, ce que tous les deux, vous nous avez dit jusqu'à présent, l'OP3FT, eh bien, est très impliqué dans tous ces process, dans le cadre de sa mission pour promouvoir la technologie de Fourgans. On rencontre le plus de personnes possible pour expliquer nos activités, l'expliquer et obtenir un retour de leur part. Donc, c'est une situation où tout le monde gagne. Les personnes peuvent comprendre ce que nous faisons et nous apprenons de leurs expériences. Peut-être pourrais-je maintenant prendre des questions dans la salle. Si vous avez de mal en anglais, posez la question en français. Posez votre question en français, il n'y a pas de problème. And just make sure you wave at me hard. Mais il faut vraiment soulever la main, hein, parce que j'ai la lumière dans les yeux et je ne vois pas bien dans la salle. Mais y a-t-il des questions? Go ahead, Jean-Emmanuel. Thank you, Stéphane. Thank you, Tom. Thank you, Benjamin. Allez-y, Jean-Emmanuel, avec votre question. Merci, Stéphane. Qu'en est-il du groupe de parties prenantes du bureau d'enregistrement où l'OP3FT est bien représenté à présent? Un groupe dont Tom a parlé tout à l'heure, c'est le GNSO. Pour les TLD génériques. Tout ce qui touche aux TLD génériques, y compris les anciens comme .com ou les nouveaux TLG comme .paris, eh bien, les règles pour cet espace, eh bien, ces règles, eh bien, en fait, sont développées au sein du GNSO qui les développe et qui réfléchit. Il est composé de plusieurs groupes, dont le groupe des parties prenantes du bureau d'enregistrement. Les bureaux d'enregistrement, ce sont les entités qui gèrent les référentiels pour les adresses de TLD. Par exemple, le bureau d'enregistrement pour .paris, c'est la ville de Paris. Eh bien, dans le cadre de notre initiative pour sécuriser .frogans TLD, nous sommes devenus un bureau d'enregistrement. Nous faisons fonctionner un nouveau GTLD, pas tout à fait de la même manière que les autres TLD. Je ne vais pas révéler des secrets, hein, Ben. Je ne vais pas vous donner des détails supplémentaires. Mais nous sommes un opérateur du bureau d'enregistrement. Par conséquent, nous avons rejoint le groupe des parties prenantes du bureau d'enregistrement. Nous sommes impliqués dans notre travail. Cela nous aide non seulement à intervenir avec des personnes qui ont les mêmes problèmes ou les mêmes visées que nous, ou qui regardent des problèmes et des solutions semblables ou différentes. C'est aussi une façon de rester pleinement impliqué dans ce que fait ICANN. Par conséquent, je pense que nous sommes un membre de ce groupe de parties prenantes des bureaux d'enregistrement depuis 6 mois et nous sommes très heureux d'y être. Merci, Stéphane. Y a-t-il d'autres questions? Ah, je vois une main qui se lève, Joe.
Présentez-vous. Je m'appelle Joe Cady. Je travaille avec STG Interactif, qui travaille dans le cadre du projet du Frogan. Vous avez rencontré des personnes chez ICANN qui travaillent avec des noms de domaines internationaux sous des points techniques. Y a-t-il d'autres groupes qu'ICANN où vous avez l'intention d'avoir un dialogue sous d'autres questions techniques, telles que WHOIS, par exemple, ou autre chose qui viendrait à l'esprit à l'heure actuelle ou à l'avenir? Avec qui voudriez-vous avoir un dialogue? Le système ICANN est tellement riche qu'il y aura beaucoup d'opportunités. Alors que nous continuons à mettre au point le cahier des charges pour mettre en place des dialogues avec des groupes tels que WHOIS. On les connaît, nous sommes en contact avec eux aujourd'hui. Nous n'avons pas commencé à avoir des dialogues formels avec eux pour l'instant. Ben aurait peut-être d'autres idées de groupes qu'il a pu rencontrer. Cela dit, ce n'est pas vraiment un groupe technique, mais il y a un groupe très important de bureaux d'enregistrement. Nous avons rencontré beaucoup de bureaux d'enregistrement de noms de domaine qui vendent des noms de domaine, mais à qui nous avons présenté les opportunités que présente le projet de Frogans pour ce qui est de pouvoir commercialiser ce nouveau type d'adresse Frogan. Et pour les bureaux d'enregistrement, c'est une opportunité de diversifier leur offre. Et vous savez, nous avons eu un très bon dialogue intéressant avec beaucoup de groupes à travers le monde dans ces catégories. Ben. En effet, il y a plusieurs groupes techniques chez ICANN, des douzaines. On a eu des premiers contacts avec certains. Avec les nouveaux cahiers des charges, on va parler de plus en plus avec d'autres groupes. Joe, j'aimerais vous dire que nous essayons d'échanger des informations et utiliser leurs propres informations et compétences. Par exemple, les groupes de génération dont on a parlé, ils ont de la compétence sur les différents scripts à travers le monde. Nous ne l'avons pas chez OP3FT dans toutes ces langues. On travaille donc avec eux et à l'avenir, quand ils commencent à publier les résultats des groupes de génération, c'est pas encore fait. Hein? Et une fois que c'est approuvé par le groupe d'intégration, on va s'adapter pour intégrer leurs suggestions. Donc, pour que ce soit gagnant pour tout le monde. Merci pour la question. Je devrais ajouter que le groupe auquel j'appartiens, eh bien, nous allons souvent rencontrer des gens ou participer à des conférences. On vous parlera tout à l'heure des différents événements récents auxquels nous avons participé pendant la soirée de demain. Je m'arrête là pour l'instant, mais je répète qu'effectivement, nous travaillons avec beaucoup d'autres groupes et nous participons à beaucoup d'autres événements. L'approche, en fait, reste une approche où on rencontre des gens pour expliquer la technologie, leur montrer la technologie, obtenir leur retour. Et c'est utile pour nous, pour améliorer la technologie au fur et à mesure. J'espère avoir répondu à votre question. Et il faudrait s'arrêter là, je pense. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir expliqué ce que vous faites.